Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Wolfenstein 2, The New Colossus. Alors on est dans le train, on a pris contrôle du train, il faut trouver l'Oberkommando maintenant. D'accord. Et on a été déchargé ici, c'est génial. Je pense qu'on va pas... Voilà, ça commence déjà. Bon, on va le refaire. Voilà, je suis mort. Je sais pas. Je peux pas expliquer. Là, j'ai pas de... Pas d'excuses. J'aurais dû être prêt. Genre avec ça. Vous voyez? Juste ça. Ok, nous y sommes, on y est. Là-bas, vous voyez. Il lui en faut 3 quand même, hein. Et là, j'ai plus rien. Mitrailleuse à gauche, shotgun à droite. Ça devrait le faire. Ah. Ah. Rien que ça, quoi. Je sais pas où je suis. Il y a de l'armure. Ça, je prends. Je suis sur les voies. On va peut-être éviter de courir sur les voies, hein. Bien qu'on ait stoppé le train, mais bon, il y a quand même du courant. Encore faut-il qu'il tourne au courant, mais ouais, on va faire ça comme ça. Alors, là, il y avait des caisses à casser. Ah, un peu de diesel. Ah. On est attendu, hein. Croyez-moi. Déjà faire ça une fois. Voilà, regarde. Pardon, excusez-moi, je l'ai. Ah, ça c'est pas cool. Eh ben voilà, on va y arriver. Shotgun. Shotgun. Par contre là je prends cher, hein. Peut-être éviter. Cette bombe directement dans leur centre névralgique de sale nazi. L'Oberkommando est situé au niveau du sol, directement au-dessus de l'abri, avec toutes les merdes aliens à l'intérieur. Va falloir grimper. Et si avec ça, perso, il y a un truc qui est en alerte, mais à 180 mètres, alors tu m'expliqueras comment il fait. Activer la plateforme. Je peux en activer plusieurs ou... Là, je le sens mal. J'ai l'impression qu'on va avoir des méchants. Ah, il n'y en avait qu'une à activer. Ok. Voilà, ça commence. Voilà. Oh là 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 là. Je suis mort. Je suis tombé, je ne sais pas comment. Y'a que moi pour faire ça, tomber comme ça. C'est déjà assez dur comme ça. Non, non, je saute. J'aime bien. J'espère que ça sera sauvegardé au niveau de la plateforme. On va le savoir tout de suite, c'est fait. C'est ça. Ok, c'est bon, on a la mitrailleuse. Voilà. Bon là, on n'a plus. Ça servira plus à rien.
Grenade à main. Wow, bah. Je me suis owned avec ma propre grenade, ça c'est possible. Ah. Oh, doucement. Voilà. On va recharger nos deux armes. On a avancé. Oh là, lui aussi a avancé d'ailleurs. Il est où? Il est là. Oh, je l'ai raté. Ça aurait été beau. Voilà. On va les abattre comme des chiens un par un. C'est lui qui me plaît pas trop là. Ok. On va descendre. Ils sont où ces cons? Ah ben voilà. D'accord. Là, on a encore un là. Wow. Je suis mort, presque. Il suffit qu'il y a un gars qui se pointe. Wow. Ok. On va recharger. Je sais pas si c'est le bon plan. Ou le bon moment. Oh. Ok. Il y a vol. Oh. Il y en a encore, hein. Il y en a encore. Je sais pas si c'est le bon plan de faire ça. Mais bon. Wow. Doucement les gars. J'ai pas juste envie de me laisser tranquille. Non. Ils sont à gauche. On court par là. On va attendre. J'espère qu'ils vont pas. Voilà. J'allais dire arriver dans mon dos, mais non. Très bien, je regarde derrière moi. Un peu de vie. Enfin, de l'armure. Parce que à 10 de vie, ça va être chaud. Ok. J'ai... Il n'y a plus l'air d'avoir des méchants, c'est pas possible ça. Wouah. J'ai failli me faire tuer par le dernier quoi, imaginez. Ok, bon. De la vie. Une fois qu'on aura récupéré de la vie, ça sera cool. Voilà, c'est bon. Vous pouvez l'Uber Commando. Ici. Ok, maintenir pour inspecter, carte, ouais, blablabla, alors, cher voisin, ok, Franca et la famille Eichmann, là il y a quelque chose, je reprendrai pour 3$, bon, a priori ici il n'y a rien. Et ici, y en a. Bon. Tu veux que les nazis laissent ta bombe tranquille quand tu l'auras posée, n'est-ce pas? Le mieux, c'est de la placer dans le réacteur nucléaire de l'Oberkommando. Comme ça, ils pourront pas traquer sa signature. Alors, lettre du commandant Johann. Gruber, chaque fois que le soleil se couche. Thermique, s'ils la trouvent pas, ils la désarmeront pas. C'est une vision des choses. Grenade à main. Ah, il y en a des choses à voir ici. Y courrier de Volras Brotz. Ok.
Jusque là c'est ok. J'entends du bruit. J'ai rien pour les neutraliser à distance, attention. Hein. Qu'est-ce qui se con, je l'entends parler en plus. Hein. Ah là-bas, ok. Ah, d'accord. J'ai rien fait, j'ai été vu. D'accord, bon. Eh bien, on remonte. On va remonter, on va se planquer. Parce que là, ça pète de tous les côtés. Et on va laisser les gros robots se... Hop là. Eh, c'est sérieux. Ok, trois robots. C'est tout. Il doit encore avoir du monde, hein. À gauche, voilà, voilà, wow, doucement, 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 waouh, ah bah voilà, ça, c'est ce qu'il fallait vraiment pas avoir à ce moment-ci de l'aventure, 22, waouh, 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 bon, il n'y en a plus beaucoup de munitions, hein. Était où ce laser. On va le voir, il va nous faire les fesses. Il est là. Allez, voilà. Ok. Ouais, puissant quand même, hein, le petit flingue. Attention, on va quand même faire gaffe parce que... Ouais, on vient de descendre en dessous des 20. Et j'aime pas fort beaucoup ça. Ah, là, il y a de la vie. Ok. C'est déjà mieux que rien. Ah, là, il y a quelqu'un. Ce serait pas mon commandant, ça? Non. Évidemment. Sinon ce serait trop facile. Par contre ça marche bien le petit flingue. L'air de rien. Wow. Oh non. On court. On court. Je veux pas. On va le laisser venir. D'accord. Là, ça commence à devenir tendax. Voilà, dans tes jambes. J'ai plus de munitions, hein, les gars. Doucement, 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 on remonte. On s'est fait littéralement plomber. Putain, en plus j'ai 10 de vie quoi, super. Il est où lui? Wouah, j'ai de la chance hein. On va reprendre un peu son armure. Non, il veut pas en donner, super, merci.
ça serait pas du luxe. Voilà. Là, on a un petit peu d'armure. Là, on a de la vie de retour ou des munitions, ok. Waouh. Là, je suis content de les voir. Pas eux, évidemment. On va s'en donner à cœur joie. Hein. Y a pas un mec là ? Si, hein. Voilà. Il y avait un ennemi là dans le coin. Voilà, cramé. Je pense qu'il n'y a plus personne, mais je suis pas sûr. Je pourrais pas le certifier à 100%. Avec tout ce qu'on a tué, je crois qu'on va avoir des balles. Au moins on va faire le plein, ça c'est déjà une bonne chose. Alors c'est quoi, coach secret? Ok. Je le sens mal. Je le sens mal, les amis. Ouvrir le réacteur. T'as que 90 points de vie, hein. J'ose même pas imaginer en difficile. Voilà. Bon bah on va tout faire péter hein. Et voilà, et on va claquer notre. Je suis pas sûr que Super ça aille Smash. Aussi bien. Je suis sur le point d'amorcer la bombe. Je te suggère de tailler de Roswell avant que ça pète. Pas de soucis mon frère. Je demande à mon contact à la mairie de déclencher l'alerte tornade pour faire évacuer la ville. Cherche une issue et barre-toi de la zone d'explosion. J'ai presque fini de vider le centre de contrôle. Ah ouais, d'accord. On se retrouve au point de rendez-vous à Galveston. Ça marche. Tu mets le sac directement, toi. Ok, bon là, vous doutez bien. Ah voilà, on a un copain. Ok. Non mais ça va, t'es... Tombe pas, il y a des grenades. Ok. Bon, ça c'est fait. Pas envie de me laisser tranquille. Wow, wow, wow. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres gars. Je suis mort. Voilà, dommage. Il me faudrait recharger mon fameux truc au diesel là. Ça, ce serait déjà une bonne. Et j'aurais peut-être dû chercher avant d'enclencher le. L'événement en fait. Mais bon, forcément, ça va pas être la même hein, maintenant. Que dès le moment. Au diesel, mon dieu, ça me ferait plaisir. Ah bon, on peut s'échapper comme ça en fait. On n'est pas obligé de le tuer si. Je sais pas hein. On peut la jouer en mode j'en ai rien à foutre et je me casse. Voilà. En fait, on est peut-être pas obligé de le tuer tout simplement. Voilà. Bon. Et lui, on le laisse tranquillement de son côté.
J'espère du moins qu'il va pas me retomber sur le coin du nez après. Ça va être autre chose. C'est ça. Continue de fuir, Sam Nazi. Bon. Vous allez, Adous. Wow. Y a pas moyen de... recharger son truc ici. Ouais. C'est chiant. Wow. Salut, au revoir. C'est pas facile. Je pense qu'ils ont relevé le niveau de difficulté parce que c'est vrai que le premier était ultra easy, quoi. Carte postale de Gottlieb. Tiens, Gottlieb. Ah, voilà, bon. Ah. Faut de la vie. Ok. Faut de la vie, les cocos, hein. Là, il y avait une tourelle, mais elle est plus utilisable. Munition. Où vous allez, Douze? Munition. Faut de la vie, hein. Avec 10 de vie, je vais pas aller loin, les cocos. Oh! Bah voilà, je sais pas qui m'a touché. Relativement difficile. Sam Nazi. Tiens. Voilà. Tiens, est-ce que il a pris en compte le fait que j'avais lu le truc? On dirait. Bon. Ben voilà, là il y a de la vie. C'est quoi cette arnaque? Voilà, je pense qu'il n'y en a plus. Ou pas. Ça m'ennuie à cause de ça. Vous allez tous. Là. Et bien le fait qu'on ait des grosses armes et des doubles armes, vous voyez qu'on prend très très cher aussi. Parce que eux en ont aussi, hein. Bon. J'ose plus avancer. Pour le moment tout va bien. Non. On va pas partir en rapport de force, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez, dans ce jeu tout est facile. Alors ce qui devait être une salle de pause. Oui, entre deux massacres, ils font prendre une pause, hein. Ils ont besoin de se reposer. Ah, on a un copain là. C'était plutôt rapide. Et
Bon, il y a des fois je meurs et puis des fois je tiens très longtemps et pourquoi je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je meurs trop vite ou alors que je tiens trop longtemps qui est bizarre? On va sortir du niveau. Et tout faire péter. Ah ouais, carrément, avec des fusées. Ton flingue. Tes clés. Ton armure. Maintenant, cours. D'accord. Non, ils vont pas nous faire ça. Un truc dans les airs. Continue à courir, hein. Heures de route, tout va bien. Ah, on est chez eux. À mon avis, qu'il n'y a plus âme qui vive. Sont la maladie de la communauté et qu'ils ont une mauvaise influence, qu'ils sont sales et des voleurs et des pauvres et des clochards et ouais, qu'ils ne savent pas lire ou écrire et qui puent, qui sont stupides et qui sont trop fainéants pour avoir un travail honnête. Eh ben, mon papa est mort, mais ma maman dit que les blancs sont méchants au plus haut point, qu'ils sont haineux et méprisants parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir des esclaves, mais que maintenant ils peuvent plus. C'est pour ça que je peux pas utiliser les toilettes publiques à la foire. Et que le monsieur de la boutique veut pas que j'entre pour acheter des chewing-gums ou du soda. T'aimes quoi comme chewing-gum? Les scalps de sauvage. Les rouges ou les jaunes? Les jaunes. Je déteste les rouges. Ils ont un goût de vomi. Ouais. Y'a quoi dans le bocal, Billy? C'est rien du tout. C'est pour attraper des têtards. Tu vas faire quoi avec des têtards dans un bocal? Je vais juste les regarder nager. Je leur donne des miettes et des carottes du jardin. Et puis ils deviendront des grenouilles. J'ai vu des têtards, dans le ruisseau. Suis-moi, je vais te montrer. Ok. Allez. D'accord. Tu te souviens de quand tu m'as montré la bague, maman? Pour une fille spéciale? Eh bien, j'en ai rencontré une, et elle sera juste parfaite à son doigt. Et c'est ici qu'on va se laisser. Merci à tous d'avoir suivi donc cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir les autres Let's Play sur la chaîne. Entre autres, le premier Wolfenstein 1, bien sûr. Ce serait dommage de le manquer. Et voilà. Portez-vous bien. Bye bye.